Et bonjour Internet, bonjour les amis Sikas, bienvenue sur Gagarine Starfield, on continue. J'ai une petite mission qu'on a pris, rappelez-vous, épisode dernier, on est allé au Lizzie Bar qui est ici. Et Lizzie, elle m'a demandé une petite mission, récupérer une cargaison d'alcool abandonnée sur un paquebot de luxe qui en orbite quelque part dans l'espace. Donc on va essayer de se trouver ce paquebot qui est en train d'orbiter de manière, abandonnée dans l'espace. On va essayer de l'accoster et de récupérer les caisses d'alcool de luxe qui y traînent. Alors on va faire un point avant. Normalement j'ai assez de munitions. Combien j'ai de thunes tiens en tout? J'ai du mal à trouver ici 13 000 crédits. Alors j'essaie d'économiser une centaine de milliers de crédits pour m'acheter un vaisseau rien qu'à moi. C'est mon objectif à moyen terme. Alors on y va. On a activé la quête. On va monter à bord du Frontier. On va faire un petit point très rapide au niveau des soutes. Il me semble que j'ai quand même 2-3 trucs que je pourrais mettre en soute. Des matériaux. Regardez. Ça c'est le Frontier. Mon inventaire à moi c'est ça. Tout. L'ignore je le garde. Avant-poste secret c'est une note qui peut m'intéresser. Matériel génétique je garde. Pièces de vaisseau je vais les mettre. Je vais les stocker ici. C'est mieux que ça soit stocké dans le vaisseau. Un solstice. Et le route c'est de l'équipement. Très bien, on est opérationnel. Pour partir en quête. Donc on va mettre le cap sur la zone indiquée. Alors j'ai ouvert la quête. Pas d'autre quête. Ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà, là ça marche. C'est mon vaisseau. Alors L comme quête, ça n'a pas fonctionné. C'est étonnant pourquoi. Diavol. On va essayer. L. Voilà. Ici, récupère l'alcool. Mettre le cap. R. Donc le 4, c'est Grissom. Allez, on va sortir d'ici. On va décoller et on va sur Grissom. J'ai assez de munitions pour d'éventuels combats. Hop, belle calvitie, comme vous pouvez constater. Et on décolle. Quittons le Gagarin Landing. C'est pas mal, Gagarin. Ça change l'ambiance. Il y a vraiment des ambiances très variées suivant les avant-postes que nous allons visiter. Et ça, c'est vraiment stylé dans ce jeu. Chaque endroit est unique et différent. On va se retrouver en orbite au-dessus de Gagarin. Et on va viser Grissom. On voyage. Grissom, Alpha du Centaure toujours. Donc planète Grissom, système Alpha du Centaure. Je pense que depuis le début, on n'a pas quitté le système Alpha. Spectre écarlate. Ouh, ça va être amusant. Niveau 14? Tu déconnes ou quand tu veux que je fasse quoi avec ça, moi? Allez, on y va. Merde. Ah, il y a un truc qui va pas avec mes touches. J'ai les touches qui vont pas. Le cul, ça me fait dézoomer. C'est nul. Il faudra que je vois ça juste après quand même. Ce serait quand même plus pratique. Est-ce que je me mettrais pas un peu plus de boubou? Comment ça, je die? Toi qui vas die, mon vieux. Est-ce que je peux lui balancer mes roquettes? Missiles? Non, bien sûr, je peux lui balancer mes missiles. Bouclier 0, ma coque est en. Ok, c'est bon. Waouh. On l'a eu. Niveau 14, ça se fait bien. J'arrive plus à avancer. Pourquoi donc? Je ne peux plus avancer. Si je peux avancer, je vais faire un boost. Or, mono, quelque chose. Ouh, j'ai pas réussi à l'avoir. C'est pas simple. Je trouve que looter un vaisseau, c'est vite le bazar. Tu sais pas où il est, t'es perdu. C'est autour de toi, un peu, parfois. J'aimerais être full boubou quand même, je préfère. Missile balistique. Oh, quoique. Voilà. Ok. Du coup, je tourne sur moi-même. Où est le loot? Bah, je ne sais plus. Bon, de toute façon, il faut que j'aille vers le vaisseau qui a été oublié entre temps. Ok, j'ai mes touches qui ne fonctionnent pas.
On va tout de suite régler ça. Option. C'est un vrai bordel. Je sais pas si vous aussi c'est pareil. Le bordel est... Bah tiens, les actions de vol. Donc les actions en vol. Amplificateur. Changer de mode de vol. Changer point de vue. Alors ça déjà, ça va pas. Mousse 3. Et celui-là, on l'enlève. Tirer, tirer. Arme 2, c'est léger, donc je peux virer le mousse 4. RE, hop, done. C'est ça qui va pas. Augmenter l'alimentation du système. Normalement, c'est Z. Ou avancer. A. C'était V. Laissons V. V. Attends. Attends, c'est con comme truc. Système précédent. Je vais virer ces trucs-là. Je pense que je devrais pouvoir les virer. Parce que c'est pas ce que je pense. Ça, je vais les virer, ça sera quand même plus... Je serai plus à l'aise. Les doublons, déjà, c'est emmerdant. Mais une fois, au bout de plusieurs heures de jeu, j'ose espérer que je vais réussir. Conflit de commande, action principale avant-poste. Ouais, mais ça, je m'en fous, ça. Alors, on va sauvegarder. Est-ce que je peux naviguer? Z, S, Q, D. C'est bon. Ah, il y avait donc ce conflit à ce niveau-là. Allez, on me fait un petit boost. Donc le vaisseau de croisière, c'est ça, on va éviter de rentrer dedans. Il suffit de looter tout simplement, il n'y a pas besoin d'aborder quoi que ce soit. Je ne sais pas, comment j'y vais moi là-dessus. S'amarrer, R. Ah, ok, si. Donc je m'amarre et je l'accoste et je devrais pouvoir m'infiltrer dedans. Ah, malin. Ça me fait penser au jeu maraudeur. Se lever. J'aime bien faire ça de manière RP. Je me lève et on y va. Stowage. J'ai quelques cernes avec mon personnage quand même. Et du coup... Ah ouais, d'accord. Du coup, je sors par le haut. Transport blindé d'Emios. Montez à bord. Voilà. Peut-être sortir un gun au cas où. Hein. Si c'est abandonné, à mon avis, je suis peut-être pas le seul pirate de l'espace à l'intérieur. Sauvegarde automatique. J'ai passé sur mon Maelstrom. Ça fait le taf. Je suis reload. Et ben voilà. Ok. On est à l'intérieur d'un vaisseau grand luxe. Ok. Je cherche les bouteilles d'alcool abandonnées. Pirate, tu cherches la flotte, tu vas la trouver. Ah, oh, il n'y a plus de gravité. Ok. Gravité 0. Ah, ça va être compliqué. Ah, ça facilite pas les choses. Merde, je suis en train de... J'ai tiré dans un truc qui me crame la gueule. Nul. Ok, c'est la touchette. Ils ont mis la gravité. Si. Alors vous rendez peut-être pas forcément compte, mais le changement de gravité pendant que tu combats, c'est ultra relou, ultra vénère. Ici. En plus, quand tu tires, tu recules. Ok. Faut que j'apprenne à monter et à descendre avec mon jetpack. Allez, je loot tous les pirates. Ok. Et je pense que si je me trouve en haut d'un plafond, quand la gravité chute, il y a moyen que je me blesse. Je retombe comme une pierre au sol. Allez, regravité 0. Ah la vache. Par ici. Comment ça, tu m'as déjà vu? Il est là. Il est pas mal ce Maelstrom là. Ok. J'ai encore pas mal de mumus, c'est bien. Ok, lui il vient au cac. T'inquiète. Oh, c'est quand même assez punchy, hein. Ça se fait bien. Hein. Tac, c'est au-dessus de moi. Faut que je trouve l'accès. Cette porte là peut-être. On va l'ouvrir. Pirate, on critique pas mal. Attention, je prends quelques coups. C'est un monde fou. Hein. J'ai bien fait de faire le plein de munitions avant de partir. J'avais fait le plein de munitions à New Atlantis. J'avais anticipé le coup. Je me suis dit, je vais à Gagarine avec le nom Gagarine. Ça doit être une zone à la con. Ah. Ok. Ah, un petit peu côté, un petit peu angoissant quand même. Hein. Ouh, j'ai looté un truc qui s'appelle Frénésie.
J'ai arrêté de prendre tous les maelstroms qui traînent, ça me prend de la place pour pas grand chose. C'est un ennemi, ça c'est quoi? Non. C'est un vieux bout de truc. Il n'y a pas moyen de couper ça là? Je suis sûr qu'il y a moyen de couper ce truc. Ça, ça fait un... Il y a un truc ici. Circuit imprimé, je le prends. Tasse à café, on s'en fout. Ah là, gravité. Je vais me faire... Est-ce que je me fais un kit? C'est peut-être pas nécessaire. Par contre, ce que je peux me faire... Bon, c'est rien du tout. Non, je suis bien. Kit de sang, on va les échos. Ils ont dû se barrer. Il y a un pirate dans le coin encore. L'alerte est plus... Je suis plus en mode alerte. Donc les pirates ne savent pas où je suis. Ça tombe bien. Moi non plus, je sais pas où je suis. Donc comme ça... Je me suis perdu dans cette zone. Ça s'ouvre pas ça. Merde alors. Je suis de nœud ou... Ah, peut-être par là, non? Non, par là on avait vu. Y a pas grand chose. Kit de soin. Il est plus là. Ouais. Donc là on avait tout fumé. On vient du bas. Peut-être aller direct en haut. Ah voilà, c'est là. En fait, faut aller en haut. Ou pas. Tactique spatiale de l'avant-garde. Je prends. On est dans le bureau. Ça n'a rien d'important ici. Un cadre numérique. C'est extrêmement perturbant de toujours flotter. D'avoir des alternances par contre, la flottaison 0G et non. Putain, je suis paumé dans ce truc. Il y a une porte qui doit mener en hauteur que je n'ai pas trouvé. Les items rebondissent salement. J'aime beaucoup l'ambiance. Allez, concentre-toi, Kaz. Alors, on va pas tomber, descends avec ton jetpack. En fait, mon jetpack me permet pas forcément de voler dans des zones... J'ai l'impression que j'arrive pas à forcément voler quand il n'y a pas de 0G, quoi. Je pense que je peux voler en 0G, mais... Ah, bah, il y a un coffre ici qu'il fallait prendre. Crédit et un mini-sushi, je prends. Ah. Ordinateur, on va l'utiliser. J'avais pas vu. Message sortant SOS, demande de sauvetage. Les systèmes dans lesquels nous nous sommes astroportés subit des éruptions solaires inattendues. Les systèmes de vaisseaux sont grillés, ne veulent pas redémarrer. Demande de sauvetage, message sortant. Ok, donc il y avait juste ça. Ils ont demandé un sauvetage qui n'est apparemment jamais arrivé. Donc c'est la même merde. Bon, je pense que c'est quand même là-bas que ça se passe. C'est là-bas que j'ai loupé un truc. On a un couloir qui mène donc à cette zone-là. Ici ça tourne, j'aurais pas un autre couloir montant. Une porte, quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cadavres des mecs qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. T'imagines la fin de vie, toi? Ça s'ouvre pas, ça, cette merde, là? Ça ressemble à un espèce de sas. Je ne comprends pas. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah alors? Donc, lui, il vient de quelque part. Lui, il est moins con que moi. Il vient de quelque part. Cet homme vient de quelque part. À savoir d'où? Ah, la trappe elle est là, on va y aller. On est d'accord qu'il y a un autre. Ouh, mallette d'armes. Aïe. Fusil laser, Equinox, grenade, mine. Bah, c'est parfait ça. Eh ben on y va. Allez, on va prendre la trappe. Ah, je peux y aller. Ah, je peux plus y aller. Je vais tomber comme un con. Ok. Ok, je suis dans un... Qui ressemble à un ascenseur. On va attendre que la 0G se mette en route et on va aller par là. Je pense que ça s'ouvre pas. Ok, ça s'ouvre pas. Par contre, on peut aller ici. J'y suis. Ok. On est passé par le haut. J'entends du bruit, non?
Donc on a bien une utilité à cette 0G. Il y en a qui arrivent à gauche. À fond. Pas mal. On va se caler un petit soin. Je dois avoir un mec tout près de moi. Dans une zone. Genre ici. Je sais que j'ai entendu quelque chose. Ah. Cœur plus et matériaux de structurel. Je prends. Je suis chassé. Hein. Je suis repéré, je suis chassé, je fais du bruit, il y a du monde. Tire dessus là. Ah, il y a un mec en combinaison à crever là-bas, j'ai l'impression. On va aller voir. Pousse-toi. Ampli, assaut de pirate. Et voilà mon but. J'ai envie de voir ce que c'est que le mec crevé dans sa combi là. Bon, il était de plus haut niveau celui-ci, mais ça n'a pas posé de problème. Ah, un maelstrom modifié. Effectivement, je crois que c'est. Ah, c'est un mannequin. Je pensais que c'était un mec qui avait été oublié et qui était crevé. Mannequin, on peut tout lui prendre? Je prends tout. Allez hop! Ça fait plaisir. Voilà, un peu de stuff. On verra, on fera le point plus tard. Faudrait que je descende. On va descendre. C'était là-bas que ça se passait. Ok, là il y a une descente. Et je pense qu'on devrait arriver au stock d'alcool comme convenu. Par contre, pour retrouver la sortie. Devant, ça va être cassé. C'est le bordel. Ok, on y est presque. Il y a quelqu'un. Ouh, niveau 10 type élite. Allez chercher, on va aller chercher. Très bien cette arme. Bon, ça c'est une consommation abusive de munitions. Comment ça j'ai pas de grenade? Comment ça j'ai pas de grenade? On va s'équiper tout de suite d'une grenade. Grenade à fragmentation, c'est équipé. Alors attention, grenade à fragmentation. Quand on est en 0G. Même taper un truc. Je crois que j'ai quand même bien frag hein, ce con là. J'en ai qu'une seule. Ah, ce n'est pas deux. Tu rigoles ou quoi? Mine inferno. Ok. Donc ça, non, c'est une mine qui se pose au sol. C'est pas ce que je cherche. Allez, on y va. Merde. Tu vas mourir, oui? Forban. Merde, il a son bouclier, il est incroyable. Bon, ils sont pas fut hein, les l'IA quand même. C'est souvent le problème avec ces superbes jeux, c'est que l'IA généralement elle est moyen fut. Allez, zou. Je pense que lui ça ressemble à un boss. Crédit, cartouche. On va prendre le casque de pirate, on verra bien si je peux l'utiliser ou pas. Ordinateur. Interface de commande de la porte, statut fermé. Ouvrir la porte. Ouverture de la porte, terminé. A mon avis, ça sera ma porte de sortie, mais il faut que je prenne mon loot avant. Et mon loot, il est... Ah, il n'est pas encore là. Merde. Comment ça, mon loot n'est pas encore là? Ça se met pas en route quand même, ces turbines à la con. Ah si, ça se met en route. Merde. Est-ce qu'il faut que j'explore tout ça? Ça me paraît bien merdique cette histoire. Ah oui, je vois où je suis. Bon. Ok. Donc on va attendre que ça s'arrête. On passe là-dedans. On passe la turbine. Les amis. Rendez-vous au prochain épisode, fouard si on arrive à passer la turbine. Bye tout le monde, c'était Gaz.